Bonjour Jean-Louis, donc moi c'est Anne Monloubou. Voilà, j'ai 42 ans, deux enfants et j'ai quitté mon emploi pour créer une entreprise. Alors Supercoop, l'idée c'est de faire un supermarché coopératif et participatif. C'est une coopérative de consommateurs. On se réunit entre tous les citoyens qui le souhaitent pour bâtir notre supermarché. Tous les coopérateurs travaillent un petit peu dans le magasin. Alors la ruche, c'est vrai que c'est un espace qui permet à des gens comme moi, qui sont un peu des novices de la création d'entreprise dans le domaine social, d'avoir un lieu où on peut échanger, être conseillé, rencontrer d'autres entrepreneurs sociaux. C'est pour l'esprit d'ouverture. Alors oui, bon, quelques-uns. J'ai échangé avec Olivier Noir. C'est quelque chose que je souhaite vraiment développer, arriver à prendre le temps de discuter avec les uns et les autres. Il y a aussi Audrey de la Nef. Il y a Sébastien qui travaille sur un domaine de circuit court alimentaire qui m'intéresse beaucoup. Chacun peut apporter un petit peu sa contribution et c'est dans cet échange qu'on s'enrichit. En fait. Mon état d'esprit quand j'arrive, c'est... Je vais pouvoir me poser. Alors, je suis pas sûre d'arriver vraiment à travailler, à faire tout ce que j'avais prévu de faire, parce que justement, je vais rencontrer des gens sympas, mais je sais que ça va être un moment agréable. Les jours où je viens pas à la ruche, bah, je suis beaucoup plus dans le stress. Bah, c'est vrai que nous, normalement, on sera déjà parti, hein, on aura déjà monté notre projet. J'imagine quand même que ça reste une structure équivalente à celle qu'il y a aujourd'hui. Oh, ce serait une île. Il fait soleil. Le hérisson. C'est un espace accessible qui permet de donner confiance pour amorcer un prise de contact professionnel sur le plan de l'accueil, de la relation et de la confiance. Voilà. Venez à la ruche parce que vous vous y sentirez bien. Venez, la porte est ouverte. Alors moi par exemple, c'est vrai que la ruche m'a apporté d'abord un espace qui est grand, qui est accueillant, qui est convivial parce qu'il est coloré. Il devrait y en avoir plus un petit peu partout dans la ville, des espaces de service public. J'aimerais bien que ça soit normal en fait.